Bonjour à tous et bienvenue à vous à l'épisode 4 de la série à la conquête de Laser. Je sais même pas comment on dit, mais c'est pas grave, de toute façon, ils ont le logo avec le titre qui s'affiche et tout, comme les vrais, tu vois. Donc voilà, je suis toujours avec Wolf, Zen Jedi et Mano Warrior qui fait des choses pas très catholiques à Jedi, visiblement. J'ai rien fait. Ah, on aurait dit que, vu comme t'étais là devant le four et c'est que... C'est pas moi, avec la bouche ouverte, les genoux, enfin bon... C'est ça. C'est classe. Comme c'est ça, classe. Bon, alors pour le plaisir de vos yeux aujourd'hui, on va commencer à créer une petite base dans Laser. Hein. Il est peut-être temps quand même parce que bon, voilà. C'est, pas limite, que... c'est peut-être pour ça qu'on est venu. C'est ça. Et puis ça nous empêche pas de revenir après ici. Donc voilà, je pense que c'est une bonne idée d'aller faire un petit tour là-bas. Je prends peut-être pas les diamants avec parce que si. Une bonne idée. Bon, ouais. Qu'est-ce que je vais pas le fer, je vais pas prendre. Les poules, je vais pas prendre. Ouais, de la bouche, j'en ai un peu. On peut essayer de voir de. Pas moyen. Peut-être qu'il va refaire une pelle, moi, par contre. Y a ton chien qui m'attaque, Kenton. Je suis désolé, mais là. Je me suis pris. Non, mais en fait, y a un squelette qui est rentré tranquillou, quoi, comme à la maison. Like home. Ouais, vas-y, bute-le, on s'en fout. Ah, bah, c'est déjà fait. Hein. Pas... Non, tu pas as buté mon chien. On peut pas les prendre dans les heures, par hasard? Je ne sais pas. Aucune idée, puisque de toute façon, il est buté maintenant pour jamais savoir. Voilà. Ah, vous êtes déjà parti? Non, c'est bon, m'attendez pas. Hein, je... Non, ils sont non. Juste en train d'aller cueillir des trucs de bouffe. D'accord, quoi, parce que bon, on peut y aller si vous voulez, vous êtes où? Bah, attends une seconde qu'on finisse juste avec Kenton, c'est impatient quoi. Les autres ils vont chercher de la bouffe pour qu'il meure pas de faim, et puis alors déjà il pense qu'il est abandonné, il cherche pas 30 secondes à regarder autour de lui, et puis après il est défoncé, t'sais. Moi je suis pas du tout abandonné, enfin je suis pas du tout pressé, qu'est-ce que tu racontes? On y va. T'as pris dans tous les sens en même temps, t'sais. C'est ça, ouais, je faisais des petits bons avant, t'sais. J'ai une épée en pierre, par contre, j'aimerais bien une épée en fer si c'est possible. Bah, il y a du fer dans la barre. Manu, je veux pas t'embêter, mais il se trouve que dans Laser, tu pourras avoir des armes beaucoup plus stuff, tu vois, donc. Tu veux en faire une dans Laser ou je peux me faire un pantalon? Non, vas-y, fais ton pantalon, je regarde. Y'a pas de futale, t'sais. À la limite, je vais prendre une hache si c'est possible et c'est bon. Et s'il y a de quoi faire encore en plus un chapeau, on sera tous full. Il manquera un chapeau pour Wolf. Il manquera mes pieds. Et tes pieds, ouais. Et bah pour Mazen aussi, hein. Bah y a encore du fer qui cuit, mais ce sera pas suffisant. Cui. Bon, bah on se prend la cobble. On va déjà y aller, on verra quand ça sera cuit, je sais pas, non. On se prend la cobble pour faire une maison là-haut ou pas? Moi j'en ai plein sur moi là. Ah bah c'est une bonne idée, moi je vais en prendre un peu aussi. Voilà, oh non, en plus on est en pleine nuit, ça va être hardcore ça. Oh là là là. Du coup c'est synchronisé jour-nuit entre Laser et... Non, et alors si j'ai bien pigé, une journée ou une nuit dans Laser, c'est équivaut à 3 jours ou nuit dans le monde normal. Ouais, donc ils sont longs. D'accord. Les journées. Fais attention moi. Je suis déjà empoisonné, oh c'est violent, hein. Moi je vous le dis, c'est hardcore. C'est vraiment hardcore là, j'ai 1000 life hein, déjà. On vient de te voir voler, mais. Ah ouais, j'ai un cœur, je suis à ras de la mort. Rentre, une baffe, je suis mort. Ouais, mais là tu vois, je peux pas fuir, vois-tu. J'ai un demi-cœur. T'en dois 3 mecs, oh là là là. J'ai là un là. Demi-cœur, j'ai la tête qui tourne dans tous les sens, et ben voilà. C'est bon. Ça y est. Oh, faut prendre mais du bois. Je viens de buter le piaf là, un petit trait de flèche là, tranquille. Donc c'est ultra violent quand même, hein, l'arrivée dans Laser, surtout la nuit. Je pense qu'on aurait dû y aller le jour parce que je pense que c'est le même principe la nuit. On se fait bien attaquer quoi. C'est pas grave, j'arrive, je suis pas très loin, je suis déjà près du portail. Derrière toi, moi, Zen. Et ça fait quoi cette saloperie? Ça tire des fléchettes empoisonnées. Voilà, et après tu tournes sur toi, enfin tu es comme si t'étais bourré, tu vois, et puis bah tu finis par. J'irai pas jusque là, mais bon. Ouais. Moi j'ai récupéré du stuff pour toi comme ça. Yeah. Bon, j'ai pris une épée, hein. C'est quoi ça? C'est quoi que t'as là comme épée? Ah oui, c'est des mobs qui ont de l'éclair, ça existe. Non, je suis tombé. Ça fait mal cette saloperie. Il vient de tomber. Je peux avoir un peu de stuff? Au moins, j'ai du bois, ça va. Au pire, on retourne dans le monde normal, on verra après, Kenton. Mais pourquoi? Pourquoi on y retourne? Je suis tombé, je suis pas mort. Bah pourquoi on y retourne? Y'a pas besoin d'y retourner. Oh merci à celui qui a eu l'idée. C'est moi qui viens de crever. Mais moi, en fait, tu devais pas me voir parce que je suis passé devant toi et tout. J'ai une épée en bois si vous voulez. Ah, ça y est, oui, je t'ai vu, effectivement. Maintenant, je te voyais pas. Bah, reviens sur le pont si possible. Ouais. Ouais, parce que de toute façon, je me fais attaquer directos là, donc. Qui est-ce qui veut une épée en bois du Laser? Moi, je veux bien. Attends, bah la botte, t'es où? Je suis derrière. Voilà. Voilà. Moi, je veux bien récupérer la comment? Surtout l'épée en bois, tiens. Hop. La hache.
Je t'ai donné tout ce que j'avais récupéré. Le reste, c'est doit être Wolf qui l'a, je pense. Oui, c'est moi. D'accord. J'arrive. Ouais. Parce qu'il y a pas mal de mobs, en fait, dans le monde normal. Oh non, il y a un squelette qui a récupéré tout le stuff. Oh là là, on se fait encore matraquer, quoi. Ouf, ouais, je suis bourré. C'est marrant. Oh, moi aussi. Oh, c'est mignon. Ça m'étonne même pas de débuter. Oh la vache. Oh là, c'est pire que quand moi je suis vraiment bourré. C'est Oh bah, faut y aller alors. Ça arrive souvent. Encore ? J'ai rien pu faire. Bah, il y a des squelettes. Attention, Manu, t'es à ras de la mort là. Oui, oula, oui. J'ai pas vu. Ouais, bah oui, on va poser. On va poser quelques blocs là. Ah ouais, c'est bon. Ah oui, d'accord, toi tu vois super petit quoi, tu vois cajapoule. On va mettre un peu plus grand si ça te dérange pas quand même. Bah vas-y. Voilà, parce que bon, c'est pas que... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, t'as, il y en a encore un là de moi. Voilà. Bon, faudrait quand même se faire une porte d'entrée. À moi. Qu'est-ce qu'il dit lui? Wow. C'était quoi ça? Ah, c'est... Aïe, putain, un truc qui balance des éclairs. Bon, on récupère ton stuff, on te donnera ça après. J'ai pas l'impression que ça s'éclaircit un petit peu là, non? Ah bah ça se peut que le jour arrive, hein. Ouais, j'ai l'impression, ouais. Ah, bah si, y'a quelqu'un qui est tombé là, non? Bah, ouais, y'a Wolf qui était tombé. Ouais, y'a Wolf qui est tombé avant, ouais, pourquoi? Ouais, je sais pas. Wolf, par contre, t'as un creeper à côté de toi, non? C'est normal? Hein? Bah, c'est n'importe quel bois pour récupérer les... Par contre, ouais, les nuages, c'est pas mal, parce qu'on retombe... On retombe dessus, en fait. C'est-à-dire? Bah, ouais. Y a quelqu'un qui avait mis des nuages autour du port. Ah, c'est bien, ouais, vu, c'est ça. Moi. Et ce serait pas mal, vu que ça rattrape la chute. Ouais, mais il faut rester près de la zone du portail, dans ce cas-là, parce que sinon, tu tombes à côté, hein, et ça recrée un deuxième portail. Je pense qu'il y a une zone où ça fait ce qu'il faut, quoi. Kenton, devrait te faire ton stuff. Si j'arrive. Mais il en a encore, donc pour l'instant je me suis fait une hache avec le bois du laser là, de laser. Je te parlais de ton stuff. C'est les mêmes les bois de laser ou pas? Non, Kenton, que je te rende ton stuff. Je te parlais de ton stuff armure. Ouais. Là t'es où, Wolf? Devant toi normalement. Ouais, ah bah je te vois pas. C'est un peu buggé quand même, hein. Bah non, ça c'est les TP classiques, ça dans Minecraft là. Ah, quand tu téléportes ou que tu prends un portail, souvent tu le vois disparaître la personne avant d'avoir. Je t'ai tout rendu. Ouais. Ouais, mais là il s'est pas TP, enfin le portail il l'a traversé, il a mis du temps avant d'arriver, tu vois. Tu vois. Oh, bande de monstres. Alors, je crois qu'il y a un truc spécial avec ça. Ouais, bah ouais, donc j'ai pas la bonne. J'ai pas le bon. L'arbre où il y a les pépites d'or dedans, il faut pas le prendre avec le truc de base, hein. Ça marche. Ah, je me fais encore tirer dessus, c'est cette blouse. Ah, c'est bon. Voilà, j'ai récupéré un plan d'orange. Une table de craft spéciale. Et oui, encore un zéphyr. Va falloir faire un toit quand même. Est-ce que vous pouvez faire un endroit pour des plantations? Je vais arriver avec des plants qui vont pousser. Ça marche. Ça, je vais récupérer aussi. C'est dans le cube basal. Intéressant. Ouais, t'inquiète. Alors, juste pour préciser, n'hésitez pas à nous donner des conseils dans les commentaires, en sachant qu'on a tourné les trois premiers épisodes d'un coup, donc si vous nous en avez donné dans les trois premiers, on les a pas forcément vus pour les deuxième et troisième épisodes, logiquement. Mais, voilà, faut pas hésiter à nous donner des commentaires, même si on les voit un peu plus tard, hein. Là, on en tourne une deuxième flopée d'un coup d'épisodes tout de suite dans la foulée des deux premiers, donc en fait, ouais, quand vous mettrez les premiers commentaires, nous, on aura déjà bien avancé dans l'aventure. On aura peut-être pris un peu d'expérience sur ce mode, mais n'hésitez pas, de toute façon, je vais... Attends, quand ils regardent cet épisode-là, on aura déjà tourné, ils auront déjà vu les trois premiers, donc ça sert à rien. C'est ce que je viens de dire. J'ai rien que tu leur dises ça. Non, mais c'est ce que je viens de dire. Non, mais... non, t'as dit que ça servait à rien de nous dire des commentaires dans les trois premiers, puisqu'on aura déjà tourné la suite. Mais non, c'est qu'ils verront pas ton commentaire qui l'envoie. Oui, pas, non, mais d'accord, mais je veux dire que nous on verra pas les. Enfin, on pourra pas prendre en compte les. Oh, t'as compris, puis c'est bon là. Alors, les armes. Il m'a saoulé. Les armes avec les pipites, on peut les récupérer avec quoi? C'est une arme. Enfin, c'est une pioche spéciale. Donc, oh, il y a un donjon juste en dessous là. Ouais, je le vois là. Moi je suis à côté là. Mais je suis en train de récupérer, je sais pas ce que c'est comme matière. Je crois que c'est de l'ambrosium.
si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, pour, c'est pour faire des torches. Alors, pour info, il faut pas poser des torches du monde normal dans le monde de Lazer, parce que j'ai regardé une vidéo de Hyper cet après-midi, et il disait comme quoi ça crée des erreurs dans tous les sens sur le serveur, donc ça doit pas être... Rappelez-vous que c'est une alpha, hein, donc... Il y en a sur le pont, moi. Ah bah, je pense qu'il vaudrait mieux les enlever, c'est... Ouh, bah j'ai un gros fige. Ouais, j'ai eu le même. Je pense qu'il faudrait mieux les enlever, je vais ramener de façon l'ambrosium qui est l'équivalent du charbon. Et on va pouvoir en faire directement avec ça. De toute façon, je ramène du bois, je ramène plein de trucs, hein, donc... Voilà. Je récolte un peu de pierre de laser. Ouais, ouais, tu peux, moi j'en ai pris aussi, là, j'en ai 14 pour l'instant, c'est la Holy Stone, apparemment. On peut, faire, on peut se faire des armes avec ça. Des armes. La Holy Stone, oui. Oui, moi j'ai pris, je me suis fait une... Ah non, pas encore, j'ai que du bois pour l'instant, mais ça va, dès que je reviens, je vais me faire ce qu'il faut. Holy Stone. Ça fait très heavy metal. Rolling Stone. Non, j'aurais plus pensé à Manowar, mais si tu veux. Ce que je vous propose, c'est que je creuse un petit endroit là, parce que j'ai pas l'impression qu'il y a des, il y a des masses de grottes dans le coin là où on non, est. Non, je pense pas qu'il y a des grottes naturelles, ou très peu. Donc je vais commencer à creuser ici, en sachant qu'il faut toujours faire gaffe, ne jamais creuser sous ses pieds, parce que je vous rappelle que sous le sol, il y a le vide. Hein. Il y en a qui se marrent là derrière. J'essaie de pas faire la même erreur, parce D'accord. que j'ai fait ça dans le Nether. Ah bah voilà, tu vois. Dans le Nether, bah dans le Nether, il y a... Y a... Oui, c'était dans l'épisode dernier. Il n'y a pas du vide, ah oui, mais il y avait de la bedrock en dessous. Quand je suis quand ah, j'ai oui, la lave. D'accord, ouais, il y avait de la lave. Ouais, parce qu'en dessous, tout en dessous, il y a de la bedrock. Hein. Tu peux très bien arriver jusqu'à la bedrock sans passer par de la lave. Alors que là, par contre, je pense que tu rencontres absolument du vide. Autre chose, j'ai vu toujours dans cette vidéo d'Aipierre, je suis désolé de prendre référence, mais j'ai cherché des infos plus faciles à ingurgiter que du texte à gogo. J'avais pas trop le temps. Et visiblement, en l'air, il y a les nuages oranges qui sont intéressants. Jaune, les dorés pour faire des parachutes. Ouais, même si je crois que excusez-moi, mais du coup, on est censé virer la cobble ou pas? Virer, comment? Non, la cobble, mais je sais non. pas, c'est pas ça qui gère des erreurs? Non, c'est les torches. Non, c'est les torches. Ah, alors, pardon. Ce qui est intéressant, c'est que là, je casse de la pierre de laser, et je reçois deux à chaque fois. Ah bah écoute, tu vas pas t'en plaindre. Bah non, c'est... mais je suis bizarre. Hein. Oh, oh là. Oh, oh. Enfin, si c'est un bug ou si c'est normal, je reçois deux blocs à chaque fois. Bah, oh là, oh. Qu'est-ce qui se passe, Mano? Oh mon dieu! Tu fais des bruits bizarres. Non, c'est le. C'est l'autre, il m'a shooté là. Ah, ah ouais, oui. J'ai trouvé un minerai, c'est un minerai violet. Oui, c'est l'équivalent du zanite. J'en ai aussi là. Ça permet de faire des outils qui sont presque aussi. Qui sont un peu. Violet? Effet un peu spécial. Ouais, violet mauve comme ça. Bon, on va tester alors. Et des fours aussi, des fours de laser. Bon, j'ai pris un peu de matos. J'en ai 6, j'ai trouvé 6 minerais. Et je me barre, je me fais attaquer par les punaises de. Zanite pickaxe. Je vais essayer ça alors. J'ai la pioche violette. Tu regardes Kenton, tu vois, c'est beau. Je ne la vois pas, je suis dans sur la table de craft là. Oh bah, moi je l'ai vu et je vais m'en faire une aussi. Quelqu'un veut une pioche? On est 3, alors qui a faim? C'est quoi que tu viens de balancer? Je l'avais aussi, je crois, celle-là. C'est la Holy Stone? Holy Stone. Ouais, j'ai aussi, j'ai déjà, donc si quelqu'un la veut. Je pense qu'il va falloir rapidement faire plus de coffres que ça, quoi. Parce que. Qui a faim? Bah qui veut tester ça, l'alimentation là? C'est une orange. Ah, moi je veux bien. Moi je veux bien. Voilà, donc toi la deuxième. Et qui a faim encore? Ok, bon, bah je la garde alors. Ça fait 2,5 je crois, ou 1,5 peut-être. D'accord. Bon, j'ai mis un petit champ là, un micro-champ de ce que j'ai trouvé. Ah, je crois qu'il y en a là-bas. Avec de l'ambrosium, ça pousse même mieux, je crois. C'est-à-dire sur la terre, sur l'herbe, faut mettre de l'ambrosium et après, l'effet est mieux. Eh ben écoute, on va tester. Pour la plantation, c'est bon. Là, on est embêté par ces machins là dans les airs, là, c'est chiant. C'était quoi ça? Et il y a des torches d'ici, des torches de ce moment-là. Je vais vous en passer. Je sais même pas si ça existe, hein, c'est une question. Là. Ah ouais, ça marche bien. Ah dis donc, l'épée violette là, elle marche plutôt bien, je l'ai one shot le truc là. Wait, je teste. Ah oui, oh ça classe. Je vais vous en faire parce que là j'en ai d'autres là. Moi il reste un minerai dans le coffre que j'avais récupéré qui reste encore. Ah dis donc, il y a plein de minerais au sol là. Fais gaffe, les fleurs ils attaquent là je crois ici. Je crois que c'est toi que je vois en bas. Je suis pas sûr, oui Mano. Oh là là, je prends cher. Désolé, oh, attends, vas-y, je te défends. Ok, ça marche. T'as oh là là, ok, je reste du sol déjà. Viens. Parce que j'étais en train de craquer. Mon stuff derrière. Attends, j'ai tué l'autre bestiole là. Il est mort, il est mort. T'es tombé ou quoi? Qui? Oui, c'est les. Bah t'as pas vu le message d'erreur? Si, ouais, mais bon, à moi. Oh.
D'accord. À un moment, il marquait ça aussi, et puis il n'était pas tombé, il s'était fait tuer, donc je prends. Ah, c'est ça. Des torches. C'est les petites bêtes qui te balancent en l'air. D'accord. Ah, oh, j'ai récupéré du nouveau minerai, va enfin, du nouveau. Ça s'appelle de Leishore pétale, les pétales ouais, de machin, de fleurs oui, qui bougent. C'est moi qui l'ai tué, c'est pour ça. Bah, j'en ai récupéré. Bah, il y en avait encore une. J'en avais. Ah, je récupère du minerai jaune ce coup-ci. Je pense que ça va être l'équivalent. Ouais. Que... Il y en a en bas, ouais. Je sais pas, le niveau au-dessus peut-être. Donc, peut-être moi j'ai récupéré. J'ai rien de crafté des torches d'ambrosium. Non, le minerai jaune c'est l'ambrosium, ouais. C'est le charbon. C'est ce que j'ai d'accord. Là sur moi. Ah, ok. Et si vous voulez, j'en ai, mais je sais pas où vous êtes. Moi c'est bon, nous, moi j'en ai là. Mano, si tu me rejoins, je suis toujours au même endroit. Juste, ouais, bah je descends. Hop là, hop là, hop là. Alors hop. Si j'ai bien compris, je sais pas si c'est pour toutes les matières, mais visiblement, plus tu uses une. Si je parle pour rien, vous me le dites, hein, ce sera plus simple. On t'écoute, on t'écoute. Okay. Là, on a un décalage. Oui, pas mal celle-là. Plus on use les matières, plus on use les outils, plus ils sont efficaces et donc plus ils s'usent vite. Je sais pas si ça c'est pour le zanith. C'est que pour le zanith, ok. Oui, t'as bien bossé le sujet, toi, c'est récupérer... cool. Oui, oui, on peut récupérer de l'ambrosium. Dommage, j'ai la pierre, un peu de pierre. Ouais, ça j'ai vu, je suis en train de récupérer de l'ambrosium alors qu'il n'y en a pas dans le sol. Merci Mano. Ok. Je vais juste que tu me repasses. Je t'avais donné plein de pierres en fait, et du coup j'en avais besoin pour monter un petit peu. Bah tiens, je sais pas. Non, mais c'est bon. T'as des torches au cas où. Bon, moi je vais essayer de dégager l'entrée du donjon parce qu'il y en a un là. Je suis pas sûr que ça soit. Qu'on soit stuff encore pour faire. Mais non, mais il faut les pieds en plus. Donne-moi un peu de pierres, Wolf, parce que je. Ouais. Tu me creuses sous les pieds là, ça me grave. Est-ce que ça se cuit là où je saute de travers, du coup il faut que je jette encore mon évolu sur toi. Je crois pas, non. Non ? Enfin, j'ai pas lu dessus. D'accord. Mais on peut faire des fours de laser pour pouvoir cuire pas du zanith mais du gravity. Ah, c'est bon ça. Putain, c'est bien, il a bien bossé le sujet hein. C'est ça, classe. Moi, moi il sert à ça. Et c'est ce que j'avais comme intention. Oh, c'est dégueulasse ça. C'est ce que j'avais comme intention ce soir, mais j'ai claqué ma clim. Et sans clim là, avec les 32 degrés là, c'est pas faisable. Donc j'ai passé ma révision sur la réparation de la clim. Comment ils se cherchent des excuses face aux professionnels. Pas de clim, et malgré ça, ils arrivent quand même à vivre. Bah, ouais. Bah, je sais pas, il fait peut-être pas 32 degrés chez toi non plus. Si. Ah bon, d'accord. Moi, je te confirme que chez moi j'ai pas de clim et il faisait bien 30 degrés dans la place. L'entrée du donjon est bonne. Hein. Bon, moi j'ai pas récupéré autre chose que de la holy stone et de l'ambrosium, c'est dommage. Ah, ça y est, je suis ah merde, j'avais pas vu lui. Vous avez pas des. Ouais, non, les torches, j'allais dire, mais. Bah, les torches, moi je peux t'en faire si tu veux. Pour marquer un peu l'entrée du donjon. Je t'en ai passé 10 tout à l'heure. Ah oui, autant pour moi. Je m'excuse. Excuse-toi. Bien bas. On va faire un petit escalier pour monter en haut là. Ouais, c'est mieux parce que pour monter en bas. Faites gaffe à vos fesses. Il commence à refaire nuit par contre. Bah oui, c'est ce qu'il vient de dire Mazen, mais. Ah, désolé. J'aime me sentir utile et écouter. Bah, ça arrive pas souvent alors. Tiens, j'ai une pomme. J'ai un blueberry, t'imagines. Ah, il y a un méchant zénith. Oh putain. Oh, ça y est, je commence à me faire frapper déjà. Aïe, je suis bientôt mort. C'est toi qui m'as frappé? Non, me faire tirer dessus. Je récupère plein de ces espèces de charbon là. Moi je récupère beaucoup de trucs violets moi. Je crois que je vais me faire tout un stuff comme ça. Ouais, bah moi aussi. Bah j'en ai pas encore des masses mais ça vient. Fais gaffe, il y a un espèce de nuage agressif juste au-dessus de vos têtes. Oula. Je l'ai dit, il y en a pas mal. Je comprends pas parce qu'on a essayé de faire une cabane en plein milieu, on aurait mieux fait de s'installer dans la montagne. Oh, je me suis fait tailler là. Pareil. Oui, c'est vrai qu'on aurait pu creuser là directement dans la montagne. Si tu veux, je peux aller creuser un truc. J'ai déjà fait un trou. Kenton, tu sais, il y a un endroit où t'as commencé à creuser un moment dans la montagne juste en face, où il y a des minerais. J'ai agrandi un peu le trou, on peut l'utiliser. D'accord, donc nuit suivante, on va se transférer là-bas. Oh non, mais je suis en train de faire la baraque et tout, j'étais tout fier. Bah sinon, on la termine. Je te file un coup de main, on la termine. Bah, y a rien qui casse ici en fait. Y a rien qui casse, si toi tu me casses les couilles, mais. Ah, pardon, excuse-moi. Oh là là, c'était facile. Ouais, pouce rouge. Pouce rouge, oui. Bah, arrête tes conneries, ils vont le faire, arrête. Il est méchant. Ouais, on prévoira des fenêtres dans l'avenir. Ouais, bah, au pire, je sais pas comment faire des fenêtres, donc ça passait bien.
Ouais, bon, on verra. Mais de toute façon, au pire, on peut aller récupérer du sable dans le monde normal et faire une vraie fenêtre, hein. Yep. Ouais, il est vraiment sympa ce mode, hein. Ça rajoute plein de choses, c'est cool. Ah non, mais s'il te plaît. Quoi? Putain, je vais t'aider, tu m'engueules encore. Mais tu m'aides, mais tu respectes pas le motif. Ah, excuse-moi, j'ai voulu t'aider pour que ça aille vite, bah voilà, je pars, t'as gagné. Quelqu'un sait comment on fait les boucliers, là? Les boucliers, ah, non, ça se drop. Oui, mais j'ai jamais entendu parler de boucliers. Ah d'accord. Ça se drop. T'es en forme de bouclier. C'est quoi le trou qui est en plein milieu? Ah, y'a plein de mobs dans tous les sens, mon dieu, je vais mourir. Qu'est-ce que c'est que ce trou? Tu me dis que t'as agrandi le trou, mais Ah oui, si, oui, oui, t'as agrandi, ouais. C'est quoi le trou qui est là? Qui descend? En escalier? Oui. Ouais, c'est moi qui ai dû faire ça, non? Pas en escalier, non? Ah bah je sais pas où tu es alors. Il y a un trou au milieu de la baraque. Bah je sais pas. Ouh, j'en ai marre entre mobs là, j'arrive plus à les gérer. Puis ça descend bien, bah. Allez, viens te battre si t'es un homme. Ah, j'ai encore trouvé de cette espèce de charme. Ah oui, non, t'es quoi comme épée là, Kenton? En épée à la con. C'est en épée en holystone, donc la merde. C'est un... Ah, t'as même de l'armure et tout en... Je viens de me faire une armure, mais pour le coup, j'aurais dû faire une épée. Ça aurait été plus simple pour toi. C'est pas grave, bon, on va continuer. Je vais redescendre miner, mais il y a pas au moins une pioche correcte parce que je vais prendre du fer, tiens. Est-ce qu'avec le fer ça marche ou il faut forcément. Pas sûr, hein. J'essaie de te faire une pioche en holystone. Viens là. Attends, parce que là il y a une holystone pickaxe, je vais déjà prendre ça. Et si t'en as une autre, ça m'arrange aussi. Mais bon, j'ai la violette là. Je veux bien. Je vais aller miner un peu. Je te trouve plus. Là, derrière toi. Oh, j'ai pris cher. J'étais dans la maison. Merci. Est-ce que je peux arriver dans la maison sans risquer de mourir dans la seconde? Et du coup, tu me files ta holy. Ah bah non, je vais la faire. Laisse-moi. Non, mais viens, je te la file, c'est pas un problème. Ah non, c'est bon. J'ai 61 sur moi, je pense que je vais la faire. Ouais, c'est. Elle est pas stuff, quoi. Bon, ah, alors merde, comme en fait... je connais pas bien, on va faire de l'optimiser un peu parce que. J'ai pas trop le choix là pour l'instant. Oh merde, je suis déjà dehors. Tain, et là il y a plein de plantations à récupérer, hein, je veux pas dire, mais. Y'a pas un four. Comment on craft? Bah, moi je sais pas comment ça marche en fait. Je dis truc à la con, je pense que le four c'est pareil, c'est normal. Non, mais je sais pas, craft de four, comment on fait le four de spécial? Ah non, même pas. Four normal, sauf qu'au milieu faut mettre du zanith. Le zanith, c'est quoi? Ça marche bien quand même comme épée, hein. Je roule sur les mobs que. En deux coups ils sont morts. Oh, tu m'as effrayé toi. Par contre, je suis shooté. Il me rentre dedans pour me voler le truc devant les wolves. C'est toi qui me rentre dedans. Je croyais qu'on avait vu les détails du multiplayer ensemble. Les bases du multiplayer, merde. C'est quoi ce truc là? Je sais pas, c'est. Non, c'est pas un four. Oh, derrière toi, Kenton. Seven, ce que tu m'as fait faire, c'est pas un four, hein. Pouah, en plus il devient. Il faut que je mange. Je sais même pas ce que ça fait. Je sais pas non plus, j'arrive pas à faire quelque chose avec donc. C'est un élément de déco ou c'est un bouquin genre d'enchantement? Absolument pas. Ouais, je rentre à la maison. C'est sympa aussi la maison sans toi, c'est bien. Toi, bah ça toi, va, on travaille dessus, toi. Mais de nuit c'est chaud déjà. À la limite, je vais mettre de la terre. Bah, je vais mettre des escaliers de cobble, je pense. Ah, j'ai de la holystone en masse. On va mettre de la holystone, Pierre. Tu peux la mettre en escalier? Il y a beaucoup de cobble aussi dans les coffres. Bah, j'ai ouais. Dû mettre 3 stacks de cobble classiques dans le coffre. Moi, j'ai encore un holystone. Tu peux la transformer en escalier ou pas, la holystone? J'en sais rien. Bah, ouais, tu peux m'en passer un peu. T'as fait ça comment? Oh, c'était quoi? Je sais pas. Je suis tombé deux cases, quoi, je suis mort. C'est ça. Bah, tu n'avais plus avoir d'avis du tout, en fait. Bah, en fait, je devais avoir un demi-point de vie, je crois. Et genre, ça te dit rien de bouffer un peu pour plus avoir ce problème? Et moi, je suis un PVP man, moi, je vais chercher les mobs et tout. PVE, t'as vu? Bon, le fer ça marche pour la Holy Stone, j'essaierai pas avec les autres minerais si je tombe dessus. Holy Diver! Non, Holy Stone. Excuse-moi, c'est Ronnie James Dio, il revient dans mon corps et tout. Tu sais quoi? Alors, je vais profiter, tiens, d'un truc. Y a quelqu'un qui a mis un commentaire, je me rappelle plus le détail du commentaire, mais qui m'a dit le son de la. Bah si, c'était sur la musique, et c'est le mignon. Qui m'a dit le son de la gratte ressemble à un album de ZZ Top et il m'a donné l'album. Et j'ai été écouté, donc moi ZZ Top, je connaissais de nom et j'avais écouté peut-être une ou deux zik. Mais alors là, cet album, j'ai écouté. Oh, j'ai surkiffé la vibe, donc merci à lui, j'ai pas noté le. Et je vais les voir dans 6 jours. Bien. Ah, ils sont au Hellfest. Ouais. Ah, sympa.
Je vais bien kiffer avec une bonne bière bien mousseuse là. Oh bah bravo quoi, c'est une bonne image que tu donnes à nos jeunes qui nous écoutent. Bah oui. Ah, Bazen. C'est ça. Bazen nous a quitté. Tout va parfaitement bien. T'as un problème de connexion, c'est ça? Non. C'est horrible. Je crois que depuis le premier épisode de The End Adventure, tu as eu des problèmes de connexion. Ouais, je suis abonné aux bonnes connexions. Parce que quand je suis en centre-ville, je suis sur une connexion surchargée. Le reste du temps, ben, je suis dans une. Mais t'es pas abonné à un opérateur avec, J'ai pas compris. Rien. Répéter. Ah si, là. Bah, c'est pas moi qui parlais, donc répéter, je veux bien, mais je sais pas ce qui a été dit. Non, je disais, t'es pas abonné à un opérateur. En gros, t'as pas internet, quoi. Non, il communique des pots de yaourt là, jusqu'à la son FAI, là, tu vois, c'est. C'est ça. Ou alors, il y a le voisin qui donne. Dénonciation, calomnie. Oh mon dieu. Vous pouvez finir le toit. On peut faire des escaliers de Hollister, donc je vais m'en occuper. De Hollystone. Ouais, Hollystone, pardon. Hollister. Oh, ça m'a attiré. C'est Hollystone et Mystère. Oh, Hollister! Oh non, je crois que c'est la pioche. Bon, bah là, il faut que j'essaye avec le fer. Les torches. Ah, je crois que ça drop rien. Si les torches là, par contre, il faut pas mettre. Non, j'en ai. Les torches là, ils se font que par deux. Ah, le jour se lève, je crois, non? Yep. Bon, bah, si le jour se lève, je vais sortir. Je vais profiter pour aller en extérieur. C'est Ricoré, le matin devient se lever. Quoi? Et de toute façon, en plus, on est presque à la fin de l'épisode déjà, hein. Ça passe vite, hein. Non, et oh, là, là. Et oui, ça fait 27 minutes, monsieur. Oh la vache! Oh non, c'est nul. Ah, mais je me fais encore attaquer par les ragondins là. Ouais, les ragondins. Par les quoi? 16 ans du pâté, tu vois. Ouais, ils ressemblent à rien, je sais pas. C'est... Ah, les dodos. Les petits les raptors, on sait pas trop. C'est des moas, c'est pas des dodos. Bon, c'est la même chose. Ah non, ils sont pas fatigués. Bon, ça ressemble à des dodos quand même. Hein. Oh. C'est ça. Et ça donne rien. J'ai surkiffé quand j'ai tué un mob et que je me suis arrêté sans me rendre compte au bord, au dernier cube avant de tomber dans le vide. Ah oui, ça. Bah du coup tu t'en es rendu compte? Bah oui, quand j'avais tué le mob et que je me retourne et que je vois que j'étais même pas un cube du vide, quoi. J'étais... Du coup on se retrouve à la maison ou bien? Ouais, on va y arriver tout doucement là. C'est qui a fait un altar? Un altar? C'est toi qui m'a dit ça. Je t'ai demandé comment on fait ça un va, four. Ça va, tu t'énerves pas, t'arrêtes de râler là. Il pose juste une question. Jedi. Avec Wolf, on revoit les deux. T'es tendu ce soir, non? Du multiplayer, et avec toi, on va reprendre les règles du savoir-vivre, je crois. Du social. Ouais, bah, tu peux toujours y aller, hein. Et ça, c'est pas un four, ça. Enfin, ah non, je sais que c'est pas un four. Mais non, c'est pas un four. On a encore du zénith, sinon. Et ça marche comme ça. Mais alors, je me souviens plus à quoi ça sert, mais. Oh! Du zénith. Voilà. Non, bah, bravo, Bazen. C'est quoi? On était en train de regarder notre lava lampe version Minecraft et tu l'as cassé, quoi. Les trucs, c'est pas moi qui les ai drop, hein. Bon. Quelqu'un aurait un bloc de zénith, s'il vous plaît? Enfin, une gemme de zénith. Une, je veux bien te donner, mais le reste, je vais me faire une pioche avec, parce que vous avez tous fait des trucs et moi, j'ai rien du tout. J'en ai deux. Pas... Il y a quoi quand même? Moi, j'en ai même pas encore. Me faire... Est-ce qu'il y a un intérêt à ce machin là, qui est à part décoratif? De quoi? Bah, bien sûr. C'est faire un enchantement, non? C'est pour faire quelque chose, mais je ne sais pas quoi. On regardera peut-être entre les deux épisodes. Hop. Qu'est-ce qui se passe? C'est grand chose, ton truc. Attends, Mano, je pose un allié, mais faut que tu te poses. C'est moi, c'est pas Mano. Ou Jedi. Merci. Vous avez de quoi vous faire des torches aussi dans les coffres? Je suis en train de. Il y a aussi. Je mets de la bouffe. Ah, les plans, il faut que j'aille poser les plans. Ça, je peux poser. On fait quoi? On finit l'épisode ou comment là? Je vais poser les plans et on va finir l'épisode, effectivement. Parce que j'aimerais partir avant qu'il soit trop tard déjà. Comment ça partir? Bah, partir miner à quelque chose, un peu plus loin là. Bah oui, bah deux secondes. T'es le pétain qui a J'ai posé tout l'ambrosium, je reviens. Et pas une minute près, d'habitude vous avez du mal à remonter et là vous. Mais là, le problème, c'est que. Il va nous bientôt faire nuit après aussi. Mais non. Il fait nuit, c'est tout. Oh, c'est la vie. On peut se mettre debout sous ces machins-là. Ah ouais, ça sert de charbon et d'engrais en plus. Bah, c'est Wolf qui m'a dit ça. Je ne savais pas. Merci, Wolf. Bon, allez, nous apportons ça.
Voilà, et puis là ça va pousser. Bah tu vois, regarde, là on peut déjà les prendre. Alors pour récupérer les oranges, c'est sur le bloc du dessus. Voilà, et ça enlève pas le plant. Ah, ça pète pas l'arbuste, c'est cool. Voilà, ça. C'est ça, c'est sur le bloc du dessus. Si tu le fais sur le bloc du dessous, ben ça pète le truc. Bon, voilà, on peut se réunir maintenant, ça parce marche. Que j'ai trépigne de joie de continuer le prochain épisode. Ouais. Bon, voilà, vous avez vu, comme on l'a promis, on commence à faire notre petite base dans Laser. Un truc sans lumière, sans fenêtre, sans rien, mais on va aller remédier à tout ça. Je vais aller faire un petit tour dans le... Tiens, le sable de Laser. On a le Maceo de cette série. C'est un running gag, je te donne des fleurs. C'est ça. Oui, c'est vrai que c'était un peu le running gag de la The End Adventures, mais si tu me donnes des fleurs blanches à chaque fin d'épisode de Laser, ça me va. Sur ce, il nous reste à vous dire à la prochaine pour le prochain épisode. À plus, bye bye. À plus. Bye. À plus. Bye. 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 Bye.